Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. On est calé au but en allant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? On est pauvre, on souffre, il n'y a pas de travail et on ne peut pas parler. On va parler au moins. Ah. J'ai marché depuis la route, je suis arrivé. Mon corps là-même en fait. Merci beaucoup. Mais vous voyez, ce qui se passe ici, c'est une guerre entre les voleurs et les pauvres. C'est une guerre entre les voleurs et les pauvres. Bon, ayez vos pièces d'identité. Ayez vos pièces d'identité. Si vous n'avez pas ça, ayez vos attestations d'identité. Ayez vos attestations d'identité. Parce que nous, là, on ne connaît pas la guerre, mais on connaît le vote. Voilà, notre balle, ce sont les bulletins qu'on met dans l'une, là. Quand tu mets dedans beaucoup, tu as gagné, tchop, c'est terminé. Donc, ayez vos cartes d'identité ou ayez vos attestations d'identité. En 2021, quand on est venu vous voir, ils ont voulu nous mamailler. Mais on a gagné quand même. On a gagné. Kafana, on va gagner Big Togo et puis il n'y a rien. Mais pour pouvoir gagner, il faut que vous votiez beaucoup. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas l'eau. Il y a des quartiers où il n'y a pas courant. Hein? Tu payes un ventilateur, demain c'est gâté. Donc, quand les moussis viennent là, eux-mêmes ils ne savent, savent pas quoi choisir. Aujourd'hui ils piquent à gauche, demain ils piquent à droite. Et voilà les moussis qui grossissent et puis les hommes maigrissent. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards! Il y a des quartiers, si on te dit son nom, toi-même tu es étonné. Pays-Bas. Pays-Bas, ça c'est quoi ça? Tu fais deux jours là-bas, quand tu sors, toi-même ton dos te fait mal. On dit qu'est-ce que tu as fait? Dis non, j'étais au quartier, c'est tout. J'ai mal au dos. J'ai découvert un autre quartier, Moscou. Kilomètre 17. Tu montes. À un moment donné, tu descends, ouah, puis tu montes encore. Ouah, Moscou, qui est là. C'est même écrit. J'ai vu un autre quartier, le ciel. Paradis. Tu quittes Yopougon. Tu prends l'autoroute. Tu vas là-bas. Tu tournes. Tu reviens. Et puis tu montes maintenant. Ouais. Non, c'est-à-dire, il y a une grande cité ici, mais les infrastructures n'ont pas suivi. Or, le budget pour arranger tout ça, là, le budget est là. Mais hey, ils font quoi avec l'argent là? Voleur. Oh, hôte. Nous avons dit, écoutez, nous avons un plan de développement communal. Bon, je n'ai pas dit qu'on va tout faire, mais quand même, le minimum, ce ne sont pas des hommes qui vivent ici. On va faire le minimum. Vous savez, le minimum, là, c'est qu'au moins, on va faire en sorte qu'il y ait l'électricité et puis il y ait l'eau pour tous les habitants de Yopougon. Ça, c'est le minimum. Le minimum,
c'est que nous allons faire en sorte qu'il y ait au moins 4 gros marchés à Yopougon. Je n'ai pas dit vos marchés poto-poto où on vend tomates, oignons, tout ça dans la boue. Hein. J'ai dit des marchés qui sont goudronnés ou pavés. Nous allons faire en sorte qu'il y ait au moins un marché de gros à Yopougon où tout habitant va venir se fournir. C'est le minimum. Nous allons créer au moins une union des femmes communales. Là-bas, les femmes vont siéger et c'est avec les deux banques que nous, avec lesquelles on travaille, qu'on va accorder les crédits pour les projets des femmes. Non, mais on est fatigué. La mairie ne sera pas une mairie pour les malinqués seulement. Ça ne sera pas une mairie pour les ouais seulement. Ça ne sera pas une mairie pour les bêtés seulement. L'union des femmes communales avec les deux banques que nous avons choisies, c'est pour financer le projet de toutes les femmes. Je serai le maire de tout le monde. Je serai le maire de tout le monde. Je serai surtout le maire des travailleurs. Le maire des travailleurs. Tous ces vigiles, tous ces jeunes vigiles, ils seront payés au SMIC. À bas l'exploitation, ils seront payés au moins au SMIC. Même la zone industrielle, même la zone industrielle, nous sommes en train de négocier un partenariat. Nous sommes en train de négocier un partenariat pour que ce soit les jeunes de Pouco qui soient embauchés à la zone industrielle de Yopougon. Nous sommes aussi en train de faire pour que tous les enfants de Yopougon aient un essai de naissance. Est-ce que vous savez que 30% des enfants qui naissent ici n'ont pas d'essai d'acte de naissance? Dans toutes les maternités de Yopougon, il va y avoir un agent communal. Dès qu'un enfant naît, le lendemain, là où il est né, là, on fait l'essai de naissance à la maternité en même temps. Et ça, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Vous voyez, il y a des projets comme ça. Yopougon a été, par exemple, bien bâti. Yopougon a été bien bâti. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il pleut, ça déborde. Quand il pleut, ça déborde. Il n'y a pas de différence entre l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux usées domestiques, l'évacuation des eaux usées industrielles, l'évacuation des eaux usées pluvieuses, tout est mélangé. Mais qu'est-ce qu'il y a? On va nettoyer tout ça là. Vous allez voir qu'en 2 ans, 3 ans, tous les égouts de Yopougon seront nettoyés. Et pendant que nous sommes en train de développer un programme communal pour Yopougon, il y en a qui passent par derrière pour distribuer l'argent aux gens. Ils passent par derrière pour distribuer l'argent. Voleurs. Mais même si tu m'as donné 50 000 ou 25 000 que j'ai pris et puis j'ai bouffé, ça va changer quoi à ma vie? Si je distribue ça en tous les gens de mon association, chacun va gagner combien? 100 francs? 200 francs? Qu'est-ce que 300 francs va changer à ma vie? Qu'est-ce qu'un seul pain va changer à ma vie? Mais attention, celui qui vous donne l'argent, il est en train de payer votre âme. Il se prend pour Dieu. Il est en train de payer votre âme. C'est un Satan. C'est un Satan. C'est un Maudia. Demain, quand il va gagner ce qu'il veut là, il ne vous doit plus rien. C'est villa à la rivière 4, il va les construire. C'est hôtel. Pourquoi il va le construire? Puis c'est vous-même, votre petit agent, là, vous allez mettre dans l'hôtel là pour le nourrir. C'est appartement au Canada, il va les payer. Et ils sont là tous dans la grosse voiture là. C'est votre sang, ils sont en train de sucer comme ça. Et puis vous restez pauvres. Dans le 2 septembre, vous allez choisir entre ceux qui viennent pour travailler pour le peuple
et puis ceux qui viennent pour sucer le sang du peuple. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Donc, chers parents, c'est pour vous que nous nous battons. Moi-même, là, très souvent, les gens disent, ouais, lui, là, il est là, son papa était président, son papa était président, mais il n'a rien, je n'ai rien, puis je suis fier de ça. Parce que je ne suis pas un voleur. La vie est un combat. La vie est un combat. Babo là, Babo, la nuit, il dormait quelque part. Il dormait sous les lampadaires. Il apprenait ses leçons sous les lampadaires. Le matin, il allait laver son visage et puis il partait à l'école. Quand il était petit, on l'appelait les enfants d'Adjamé. C'est dans ça qu'il est devenu président. C'est dans ça qu'il est devenu président. Donc, ce que Dieu a destiné pour vous là, ce que Dieu vous réserve là, c'est pas la peine de tricher pour avoir ça. C'est pas la peine de voler pour avoir ça. C'est pas la peine de mendier pour avoir ça. Gardez votre dignité. Il vaut mieux apprendre à pécher que donner du. Il vaut mieux apprendre à pécher que donner du. Il vaut mieux apprendre à pécher que donner du. À bon entendeur, et que Dieu vous bénisse.